Alors, 6 mois après les élections législatives, Capital a dressé un bilan sur l'activité des députés à l'Assemblée nationale. Capital, magazine français, a épluché hein, l'activité de 572 députés. Résultat, bah, il parle de cancre des députés de La République En Marche à l'Assemblée. Comment est-ce que vous accueillez cela? Alors, je voudrais savoir sur quelle base il se place. Et il y a beaucoup d'activités qu'ont les députés qui ne sont absolument pas répertoriées. Par exemple, dans mon cas, le Premier ministre Édouard Philippe m'a confié une mission parlementaire. Elle n'apparaît pas dans les statistiques. Ouais. Le travail que je fais, les auditions, ça apparaît nulle part. Il n'y a aucun document qui liste le nombre d'heures que je consacre à ça. Du coup, on va me juger sur ma présence en commission, où je signe des documents. Là, la présence est obligatoire. On doit signer un registre de présence. En hémicycle, où il n'y a pas de registre de présence, il y a fort souvent des conflits d'agenda entre les réunions en commission, l'hémicycle. Donc, mesurer la présence d'un député, l'activité et l'efficacité d'un député à sa seule présence dans l'hémicycle, par exemple, est tout à fait illusoire et tout à fait imparfaite. D'ailleurs, François de Rugy l'a dit, l'a souligné, et il envisage d'avoir d'autres outils qui permettent de mesurer l'activité d'un député. Voyons les résultats.